Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Bonjour à toute l'humanité. Bonjour à la nature. Bonjour à tout ce qui nous environne. Je fais ce petit direct suite à une vidéo d'une minute que j'ai vue passer tout à l'heure et que j'ai partagée sur Facebook. J'ai eu l'idée de demander à Facebook de créer un émoticône parce qu'on a les émoticônes on est d'accord, on adore, on est triste, on est fâché. Mais quand j'ai regardé cette petite vidéo d'une minute, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. Je ne fais pas partie des gens qui travaillent sur Facebook ou bien quoi, mais que cette vidéo-là se rende là où elle doit se rendre, pour qu'ils puissent créer un émoticône qui dit qu'on a des larmes aux yeux, mais ce n'est pas des larmes de tristesse. Parce que la vidéo que j'ai regardée là, j'ai eu les larmes aux yeux. Mes larmes ont coulé même. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. Mais je voulais dire à ceux à qui j'allais partager la vidéo que ça m'a fait monter des larmes aux yeux. Mais en même temps, ce n'était pas des larmes de tristesse. Et quand j'ai publié la vidéo, certains de mes contacts ont appuyé sur le signe. Sur l'émoticône larmes. Je comprenais ce que ça voulait dire, mais quand tu cliques dessus, ça met triste, tristesse. Oh, c'est pas triste. C'est plutôt des larmes de bonheur. L'âme, quand l'âme parle, ça fait monter les larmes aux yeux. Cette vidéo a touché mon âme et j'aimerais la partager avec vous. Une vidéo d'une minute. Puis, j'ai déplacé mon ordinateur, ça risque de se décharger parce que là où la prise est branchée, c'est trop derrière les appareils là. Donc je vais vous montrer la vidéo et puis on va continuer notre petit direct. Le titre de ce direct, c'est L'amour est l'expression de l'âme. Donc on va aller avec la vidéo. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aime pas trop ce genre de choses-là. C'est quoi ça? Oh, tu es concentré sur ton truc comme ça et puis ça, c'est... Oh. Est-ce que la vidéo continue? Regarde, je me vois en train de... Oh! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là?
Je ne sais pas si vous avez pu suivre. C'est une petite vidéo d'une minute. Est-ce que vous avez bien vu? Je ne sais pas ce qui s'est passé, puis ça s'est comme arrêté là. On montre deux petits enfants, qui, en fait des enfants qui sont dans une école, je sais pas, à la garderie peut-être, et puis. Et puis, je ne sais pas si la petite a pleuré ou bien quoi, et puis le petit garçon vient nettoyer son visage. Mais on sent tellement l'amour. On sent tellement l'amour que l'enfant a pour l'autre. On le sent dans son regard. Mais c'est l'amour qui parle. C'est son âme qui parle. Et quand on regarde ce genre de choses-là, ça ne peut que nous mettre des larmes aux yeux. Mais c'est l'âme qui s'exprime. Et on a envie d'exprimer ça par un émoticône, mais l'émoticône qui montre les larmes, c'est la tristesse. Or, on ne pleure pas seulement souvent de tristesse, on pleure de bonheur aussi. Et notre âme, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, Trouver le chemin du cœur, notre âme n'est pas faite pour abriter la haine. Notre cœur n'est pas fait pour abriter la haine. Parce que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ils ne peuvent pas ne pas être touchés. Elle a été vue plus d'un million de fois. On ne peut pas ne pas être touché à regarder comme ça l'expression de l'amour pur. Et aujourd'hui, l'humanité est arrivée à un niveau où c'est plutôt la haine qu'on véhicule entre nous. La haine des Noirs contre les Blancs, la haine des Asiatiques contre les Noirs, la haine des Arabes contre les choses qui ne sont pas musulmans, les chrétiens contre les... On a perdu complètement ce qui fait notre essence. On a perdu ce qui fait notre essence, humanité. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui on est. Or, notre âme, le mot âme, ça vient d'amour, ou l'amour vient de l'âme. L'amour pour les autres, l'amour pour la nature, l'amour pour son pays, l'amour pour son frère, pour sa soeur, pour son collègue, pour sa voisine. Aujourd'hui, on a perdu ça complètement. Et ces enfants-là, avec cette petite vidéo, nous ramènent à l'ordre. Nous ramène à notre essence, nous ramène à ce que nous devons être, notre valeur intrinsèque. C'est s'aimer. Ce n'est pas aimer un homme pour aller au lit avec. Ce n'est pas ça seulement qui est la signification ou la définition de l'amour. Aimer quelqu'un comme ça, parce que c'est un être humain. Regardez le regard de l'enfant pour la petite fille. Il sourit, son âme est émerveillée comme ça. Est-ce que nous pouvons revenir à ça? Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme je dis souvent, quand tu fais un direct, les vidéos que tu veux publier vont plus vite. Je vais repartager encore cette petite vidéo-là d'une minute. Une minute où l'humanité est dévoilé l'humanité dans sa pure mission, l'humanité dans sa pure définition. Aimer l'autre, être à côté de l'autre, essuyer sa sueur, essuyer ses larmes, le prendre par la main, la prendre par la main, la protéger, la sécuriser. Vraiment, j'ai été tellement touchée par cette vidéo que je ne pouvais pas ne pas faire un direct pour partager avec vous. Revenons à nous, humains. Revenons à nous. Aujourd'hui, on se laisse gagner. C'est le pouvoir qui nous a fait perdre aujourd'hui cette valeur que nous avons. Le pouvoir, l'argent, c'est la seule chose qui nous fait faire des guerres, qui nous fait créer des partis politiques, qui nous fait avoir envie d'accéder forcément au pouvoir, qui nous fait tuer des gens pour accéder au pouvoir, qui nous fait diviser pour pouvoir régner. Et aujourd'hui, on a perdu notre véritable essence. Aujourd'hui, c'est la haine que nous véhiculons, mais nous n'avons pas été créés pour ça. Cette petite vidéo-là m'a démontré ça ce matin. Nous n'avons pas été créés pour avoir la haine.
Parce que quand on a la haine dans le cœur, on est malheureux. Et c'est la vérité. Alors, vraiment, je souhaite à chacun et chacune de vous d'avoir quelqu'un à côté. Ça peut être le mari, ça peut être l'épouse, mais ça peut être le frère, ça peut être la cousine, ça peut être l'ami de quartier, ça peut être le collègue. Ça peut être un inconnu dans un bus, dans un train, dans un métro, dans une rue, dans un centre commercial, qui vient essuyer nos larmes parce qu'on est en train de pleurer, même si la personne ne nous connaît pas. Mais la vie d'aujourd'hui fait qu'on se méfie les uns des autres. Parce que nous nous sommes perdus. Nous avons coupé la source qui nous liait à l'amour véritable. Nous avons coupé le lien qui nous lie à notre âme. Aujourd'hui, nous sommes des personnes ambulantes. Nous n'avons plus rien dans notre cœur. Nous n'avons plus d'amour pour l'autre dans notre cœur. Et nous sommes malheureux. Nous avons des taux de suicide, des taux de dépression et tout. Parce qu'on a perdu notre véritable essence. Et pourtant, c'est tellement simple. Vraiment, je vais republier la vidéo. Je vais vous la faire voir encore. Je ne sais pas si mon téléphone. Voilà. Je vais vous la faire voir encore parce que vraiment, non, vraiment, c'est merveilleux. C'est incroyablement. Je vais vous la faire écouter encore pour ceux qui viennent de prendre en marche. C'est vraiment beau et vraiment. Soyons des êtres humains. Soyons des êtres humains. Revenons à notre essence, à notre première essence. Ressaisissons-nous parce que on est en train de se perdre, humanité. On est en train de se perdre. Vraiment, cet enfant-là, il m'a donné une belle leçon ce matin. Une très belle leçon ce matin. Il m'a confirmé ce que je dois être. Un être qui donne l'amour aux autres. C'est à ça que nous devons être appelés. Et non un être qui sème la division, qui sème la haine. Parce qu'on est des pays, on est tous malheureux. Parce qu'on se laisse aller. On s'est perdu. Mais on peut revenir. On court après le développement. On court après les grandes villes. Mais dans les grandes villes, c'est l'acier qui règne. C'est le béton qui règne. L'humanité est perdue. Vraiment, c'est mon coup de cœur que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Et j'ai envie vraiment aujourd'hui, hier j'ai dit, j'ai fait une publication sur Facebook. Vraiment, je vais m'éloigner de plus en plus des débats politiques. Parce que ça me coupe de mon humanité. Sincèrement là, je vais m'éloigner, je vais faire vraiment l'effort de m'éloigner de plus en plus des débats politiques. Parce que avec ce que je ne vois pas d'amour véritable dedans. C'est ce chemin-là que j'ai envie d'emprunter désormais. Et c'est ça qui me caractérise. Et c'est dans ça que je veux être. Et vraiment, je souhaiterais que cette vidéo vous touche. Et que l'humanité en nous revienne. Que on rétablisse le contact avec notre âme. Je vais ramener. Je suis pas trop équipée là, donc. Regardez le regard de l'enfant. Regardez son regard. Regardez son regard. Regardez son regard. Regardez son visage. Regardez l'expression de l'amour pur.
Vraiment, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis, je vais m'inscrire de plus en plus dans cette dynamique. J'avais commencé avec trouver le chemin de l'amour. Je pense que c'est ça qui est véritablement mon chemin. Je vais commencer à m'y mettre de plus en plus. Et puis, je vais marcher à reculons par rapport à la politique, par rapport au débat politique de la Côte d'Ivoire et puis de mon pays. Peut-être que je vais faire des publications de temps en temps, je vais partager des choses, mais je vais m'éloigner de plus en plus parce que je ne me sens pas bien dans ça. Non, 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 je ne me sens pas bien dans ça, c'est pas mon truc. Je vais vraiment faire je vais chercher des vidéos, ce genre de vidéos, et de temps en temps, je vais les partager avec vous pour que de temps en temps, on fasse un clin d'œil à notre âme parce que. Moi, je me sens bien dans ça. Quand je fais ce genre de choses-là, je me sens très bien. Quand je dis que j'ai pardonné à quelqu'un, je me sens très bien. Parce que vraiment, la haine n'a rien à faire dans notre cœur. La haine n'a rien à faire dans notre cœur. Notre âme est faite pour donner de l'amour à n'importe quoi. Homme, plante, tout, nature, tout. Donc vraiment, faisons l'effort pour revenir à nos sources. L'argent, c'est bien. Les grandes villes, c'est bien. Mais on s'est perdu en chemin. On ne se parle plus dans le bus. Quand quelqu'un tombe, on n'a même pas envie d'aller vers elle parce qu'on a peur de l'agresser et puis qu'elle aille porter plainte contre nous au tribunal pour se faire des millions de dollars sur notre geste. Donc ça fait que les gens se méfient les uns des autres. On est devenu tellement malfaiteurs, tellement inhumains. Mais on est tous malheureux, chacun vit dans son coin. On est tous malheureux. Alors je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime très fort, très 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 fort. Hier, j'ai pris la décision de m'éloigner de la politique, je le dis. Et puis, je vois cette vidéo aujourd'hui. C'est comme si c'est venu confirmer. Et ça m'a fait couler des larmes, cette vidéo. J'ai pleuré parce que mon âme m'a dit, Boané, où est-ce que tu vas? C'est pas pour ça que tu es là, sur cette terre-là. Et j'ai déjà dit que mon cœur était aussi gros que le ciel. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, je me retrouve dans mon élément. Alors, on va accentuer la vidéo sur trouver le chemin du cœur. Je vous aime très, 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 très fort, très fort. Et faisons une introspection. Regardons dans notre cœur. Parlons à notre âme afin qu'elle s'ouvre et qu'on puisse faire la connexion avec elle. Parce que nous souffrons. Parce que nous ne donnons plus nous ne donnons plus d'amour. Nous n'en recevons plus. On croit qu'on est heureux avec tout le matériel autour de nous. Mais nous sommes des personnes malheureuses. Nous sommes des coquilles vides. Nous sommes des enveloppes vides qui nous trimballons d'un point à un autre. Alors, bisous à vous. Bye bye. Je vous aime très fort.